Pour nous rendre à Périgueux, nous avons choisi le train. Nous embarquons donc à Mont-Sampron, toute petite gare rurale. Quoi de plus agréable que de voir défiler la campagne Lot et Garonnaise, puis celle de la Dordogne, assis confortablement dans un train. Parfois, le train frôle les branches d'arbres le long de la voie.
Nous arrivons en gare de Périgueux, en service depuis 1862. Le premier train était déjà sur place alors que la gare n'était pas encore vraiment édifiée. Et elle fut agrandie, victime de son succès, seulement 2 ans après son ouverture. Oui, qu'est-ce que tu vois là-bas ? Ah, une meurtrière. Un bon moment, le temps d'un déjeuner chez Hercule Poirot. Tu fais ton choix. Tu fais mon choix, c'est ça. La cathédrale Saint-Front, catholique, classée monument historique depuis 1840 et patrimoine mondial en 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, étonnant par ses toits en dôme. Balade au centre-ville, superbe immeuble Renaissance. La tour de Vézonne, haute de plus de 24 mètres, était l'espace sacré d'un temple gallo-romain dédié à Vézuna, déesse gauloise, protectrice de la ville antique. Vézuna, domus de Vézonne. Bâtiment conçu par l'architecte Jean Nouvel, protège et relève les vestiges archéologiques de la domus de Vézonne, ainsi que les collections du musée consacrées au passé gallo-romain de la ville de Périgueux, et dont la surface couvre près de 4000 mètres carrés.
Et c'est déjà l'heure de repartir.